à tous, c'est TableDeCraft54 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Build. Donc on va faire la tour de Pise. Donc vous voyez que j'ai déjà commencé à faire mes tracés. Donc la tour de Pise, elle fait environ 54 mètres, donc 54 blocs. Ça devait être 54, quelque chose, mais comme on est dans Minecraft, ce sera compliqué de faire des hauteurs imprécises. Donc ça fait 15 mètres de diamètre, donc un cercle de diamètre de 15 mètres. Il y a 8 étages d'arc en marbre, donc il y a 8 étages. Il y a 293 marches pour monter, et elle a été construite en 1173. Donc j'avais commencé des plans, donc la photo de la tour de Pise va apparaître à l'écran maintenant, ainsi que l'intérieur. Ainsi que l'intérieur et que le schéma. Donc voilà, donc on se retrouve. Vous avez vu les photos, donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc les plans me seront très utiles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai préféré faire 7 blocs plutôt que 8. Donc contrairement au premier Let's Build, on fera pas de mod. Texture pack, je pense pas qu'il y en ait trop besoin. Non, il n'y en aura pas besoin. Donc pour le moment c'est assez simple. Je vous dis, j'ai galéré à faire mon cercle. Vous voyez plusieurs essais au sol. Donc j'ai eu peur, je croyais que j'avais pas baissé mon micro. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là on a ça, donc je vais re-regarder ma photo encore une fois. Alors si on zoome bien, on voit qu'il y a déjà des arches en relief. Donc on a des arches, alors on va retourner, voilà. Donc déjà on va déjà monter tout ça. Donc il n'y a rien de sorcier à monter tous ces blocs. Donc moi je vais vous faire une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout. Donc voilà, j'ai monté tous les blocs et comme on l'avait vu, il y avait des sortes, je vais juste regarder. Ouais, entre chaque pic, il y avait des arches. Donc des arches, je sais pas trop comment les faire. Je fais des tests là les gens. C'est pas définitif, donc si je fais ça... Et ça, non, c'est horrible. Et si je regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que le truc, c'est que on a les piliers, mais il y a des arches aussi qui soutiennent, donc je sais pas trop comment faire. J'en suis désolée, mais je pense qu'on va pas le faire. Donc ce Let's Build, je pense qu'il nous prendra pas longtemps du tout. Donc je vais zoomer sur un des balcons. Donc les balcons font 7 mètres aussi. Donc on va quand même faire un plafond en dalle pour éviter que ce soit trop... que l'intérieur soit trop bas. Enfin c'est compliqué à comprendre. Mais vaut mieux faire des dalles pour avoir plus d'hauteur sous le plafond. Parce que on n'a jamais vu des plafonds épais de 1 mètre de haut. Hein. Donc bah moi je vais faire tranquillement mon petit plafond, puis je vous dis à tout de suite. Donc à la toute. Donc bah j'ai fait le plafond. Donc maintenant si je regarde ma photo, on a des arches. Donc on en a
deux fois plus que des arcs comme ça. Donc je regarde juste un truc. Ouais, on a un petit rebord. Donc je vais essayer de reproduire ça. On a un petit rebord tout autour. Donc on va faire ce petit rebord. Tac, tac. Hop, on fait ceci, comme ça, on incline les blocs. Ouais, donc les escaliers, c'est assez galère à utiliser. J'aime pas trop ça. Et si vous n'avez pas vu mon premier Let's Build, je vous invite à aller le voir. Il est sur ma chaîne, c'est le Big Ben, que je trouve fort sympathique. Tac, voilà, donc on termine de faire le petit rebord. J'ai pas envie de faire trop d'ellipses, même si il faudrait. Je vous l'accorde, il faudrait. Mais c'est pas... Comment dire? Ça fait trop d'ellipses, tue l'ellipse. Quand il n'y en a pas assez, c'est chiant. Quand il y en a trop, c'est chiant. Parce que dans ce cas-là, je fais juste une vidéo de présentation de ma construction et ça sert plus à rien. Hop, voilà. Donc là, on a un petit rebord pour faire la jonction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7. Donc du coup, s'il y en a de plus en plus. 1, 2. Je vais essayer de faire vraiment la tour le plus réaliste possible. Donc je suis désolée si ça pique les yeux au rendu vidéo. Je n'y peux rien. Oui. Oui, bien sûr. Je fais une connerie. Ah oui, j'ai fait une connerie. Ça va là. C'est bien parce que comme les escaliers retournés, ils ont pas la même exactement la même couleur que... Donc ici aussi, je me suis trompée, super. Comme ils ont pas la même couleur que les dalles, et ben ça c'est bien. Moi, je vais baisser la luminosité parce que ça fait trop mal aux yeux, le quartz. Ah, mais ça change rien. Géographique. Et si je fais slash taille 7 height. Oh, ça apaise. Je crois qu'on va jouer que la nuit, hein. J'en suis désolée, mais. Mais le quartz, ça fait mal aux yeux. Donc je vais monter tous ces poteaux jusqu'à 7 blocs, puis on se retrouve quand j'ai fini. Donc à tout de suite. Ciao ciao. Voilà, j'ai fini de monter, donc j'ai encore mesuré ma photo. Cette fois-ci, les arcs seront faisables, je pense. On a encore des arcs. Donc là, je sais pas du tout comment les faire. Les arcs, je pense, c'est bien dommage, mais on ne pourra pas les faire. Je sais pas du tout comment faire les arcs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a déjà des espèces de barrières en verre blanc qui n'étaient pas là à l'origine, je présume, mais qui ont été rajoutées pour plus de sécurité. Donc on va les faire. Tac. Parce que j'essaye vraiment de faire un bâtiment réaliste. Avant tout. Hop. On repose des blocs. Et ça va rendre juste magnifique à la fin. Donc après là on fait le premier étage ensemble, mais cette vidéo je pense durera pas plus longtemps qu'une heure. Enfin qu'une heure, pas qu'un épisode je veux dire. Donc on a deux hauteurs. Donc si on a deux hauteurs, on va faire deux hauteurs.
Oh non, la galère. Voilà pourquoi je dis la galère. Oh, j'aime pas poser du verre plat. J'aime pas du tout ça. Mais vous allez voir, ça va rendre bien. Mais aussi, si je fais la tour droite, j'en suis conscient. Et en plus, vous savez qu'en ce moment, donc là, les visites ont été rouvertes, mais sans que personne ne fasse rien, la tour se redresse toute seule. Et on ne sait pas pourquoi elle se redresse. Parce que si elle est penchée, c'est parce que le terrain a été pas instable, mais quelque chose de ce genre-là. Donc les arcs, malheureusement, on ne pourra pas les faire. Ce que je crains le plus dans cette construction, ce sera le toit. Sincèrement, ce sera le toit. Ah, j'arrive pas. Donc on va faire tout le contour, hein. On a du temps ensemble. De toute façon, je ferai une méga ellipse pour moi, mais pas pour vous, vu que vous, ça sera fait en un clin d'œil, où je ferai tous les étages et on terminera avec le toit. Donc après, il faut que j'ai le temps, hein, dans l'épisode, parce que si l'épisode est trop long, bah tant pis, on en fera deux. Hop, et voilà. Donc si je regarde à nouveau ma photo. Donc les gens, vous savez quoi? Je vais faire la paroi intérieure qui est tout un grand cercle ici. Je vais faire le contour en escalier, puis je vous montre ce que ça rend, puis ensuite je ferai toute la tour. Donc bah moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça donne pas mal. Franchement, c'est pas le plus joli. Oh, les super bugs de luminosité. C'est pas le plus joli possible, c'est sûr. On peut faire mieux, mais moi je trouve que si on empile les étages comme ça peut rendre très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le contour en escalier, que je vais commencer dès maintenant. Et donc, bah, je vais faire tous les étages qu'il y a dans ce style, parce que les deux derniers étages, si je crois, si je me souviens bien, sont différents. Ils sont beaucoup plus travaillés, je crois. Et donc, bah, on se retrouve, il y aura tous les étages de fait, puis moi, je vous dis à tout de suite. Si ce n'est pas magnifique, une tour pareille, quand même. C'est super beau. C'est magnifique, ma chérie. Mais pas sur toi. Toi, t'es moche. Non, je rigole. Alors, 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai pas fait un sixième? Attendez, j'ai juste un doute. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième? Il a quoi comme particularité, le sixième? Attendez, je suis en train de regarder sur mon plan. Ah, d'accord. Ah, je vois ce qu'il a comme particularité. Ah ouais. Oui, donc en fait le sixième, c'est le même étage. Pour vous donner un ordre d'idée, le sixième, c'est le même étage. C'est la même sans ça. Sans ça. Pour que les gens ils puissent aller à l'avant-dernier balcon et sur le toit. Donc ce qui est bien pensé en soi, mais qui m'oblige à faire un étage de plus. Donc bah à tout de suite les gens. Donc voilà, j'ai fait le dernier étage comme vous pouvez le voir. Donc en fait c'est super bien parce que imaginons vous êtes un visiteur à Pise, parce que la tour de Pise elle s'appelle comme ça parce qu'elle est à Pise tout simplement. Enfin je crois. Attendez, je suis pas sûre. Bon, tant pis, si je fais une erreur, et bah. Si je fais une erreur, et bah, je dois vous donner un cadeau de Noël. Voilà, un cadeau de Noël, genre un livre, un petit machin, même si j'ai déjà ma petite idée.
Et comme je suis sûr à tous les coups de me tromper, bah voilà, va vous offrir un cadeau. Même si je pense que vous avez eu un indice dans la vidéo précédente, que je n'ai pas encore tourné, moi. Je ne l'ai pas encore tourné, donc voilà. Donc, cette tour, elle est bien belle, mais elle n'est pas terminée. Et ça, Cyril, il aime pas. Non, je rigole. Oh, vous imaginez un gâteau en forme de tour de Pise dans le meilleur pâtissier sur M6. Non, nos pubs. Bon, maintenant, on va regarder les plans, peut-être. Hein. Alors, mes plans. Oh. D'accord, ça fait 55 mètres de hauteur, mais... Attendez. Oui, ça fait... Parce que là, de toute façon, on est à 41. Non, 47. Oui, donc, oui, ça fait 7 blocs. Oui, ici, ça fait 7 blocs. Je regarde encore ma photo, excusez-moi. Et on a un truc de environ 1 mètre. 1 mètre. Donc, oh, qu'est-ce qu'on a? On a des barreaux. Donc, je vais faire un pack de textures spéciales, parce que des barreaux comme ça, hein, c'est pas très beau. Ah, les barreaux, ils sont pas beaux. Ah, ça rime. Je vais devenir poète plus tard. Non, sérieusement. Faut qu'on se calme. Vous allez voir, ça va rendre très bien. Et en plus, c'est bien. Parce que c'est la seule fois où je dirais ça à propos des barrières dans Minecraft. C'est qu'elles se mettent au milieu. Et que c'est logique. Parce que si les gens ils vont sur le petit rebord qui tient pas, ils auront l'air un peu bêtes. Hein. Donc voilà, donc on a ceci. Ensuite on a... Ah là on a une très belle photo. Hein. J'ai une magnifique photo sous la main. Alors on a un autre cercle. Qui est en quoi? Il est en quoi le cercle là? On zoom. Ouais, ça fait des arches. Ok, donc c'est... On va faire... Tac. Déjà, faut qu'on fasse notre cercle. Hop, 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 hop. Hop. Et hop, hop, hop. Donc là, on a notre machin, donc on referme le cercle, même si c'est temporaire. Donc oui, j'ai remis le jour, et moi ça fait longtemps que j'ai pas tourné, donc ça fait 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juste pour être sûr. Donc on a des arches, donc il va falloir monter le cercle, même si c'est pour tout casser après, il faut le monter. Oh non, non. Après, je ferai de l'éclairage, vous inquiétez pas, parce que c'est un peu sombre. Mais vous voyez, cette tour de piste, je pense qu'elle a de la gueule. Franchement, elle a de la gueule. On peut se le dire. Elle envoie du pâté. Non mais quand même, elle est belle. Y a pas à dire, ça fait une belle tour. Comme ça, c'est joli. Dites que c'est joli, sinon je vous tape. Non, je rigole. N'allez pas croire que je vais vous taper. J'ai d'autres choses à faire. Avant. Comme vous faire des vidéos. Ah ah ah. Je sais. Pardonnez. Donc je pense que si cette vidéo est vraiment trop longue, je la couperai en deux. Et on se dira pas au revoir, on se dira pas bonjour. Malheureusement, donc oui, bien sûr. En même temps, grâce à cette vidéo, je pense que vous pourrez reproduire la tour de Pise parce que j'en ai pas vu beaucoup des Minecraft et surtout des belles, bonne taille, tout ça. Parce que généralement, les tours de Pise, ils essayent de les faire pencher, mais ils ont pas compris que ça se redressait la tour de Pise, donc forcément, à un moment, elle sera comme ça. Forcément.
que ce soit avec l'aide des humains ou pas. Donc ensuite on a encore un petit contour en escalier, tranquille. Tranquille le chopépère. Ah c'est trop galère les escaliers, j'aime pas ça. Hop. Donc je vous fais vraiment, pas limite à l'impro, je vous fais pas cet épisode à l'improviste, hein, mais presque quoi. Je me suis dit, tiens, je vais faire un ledge build. Sur quoi? Oh, quel bâtiment j'ai pas encore fait et qui est style, pas trop compliqué, qui peut se faire en pas beaucoup d'épisodes. Parce que cette série est un peu... Enfin, cette série, tu parles. Ce sera juste une simple vidéo, mais... Une simple vidéo parmi tant d'autres, mais voilà quoi. Et hop, et hop, voilà. Donc là, on a notre contour. Donc j'avais dit, ici, il y a des arches. Donc on a un centre ici, on a un centre. C'est presque bien. Alors les arches, il y a... Oh, elles font la moitié les arches. Au total, elles font la moitié, donc là, voilà. Alors, on va prendre... Est-ce qu'on casse comme ça? Non, là, ça fait trop plat. Ouais, comme ça, c'est bien. Ok. Donc, il y a 3 d'espace minimum. 2, 3, 1, 2, 3. Vous allez voir, franchement, cette construction, j'en suis fière. Parce que c'est pas la plus dure, c'est sûr, mais c'est joli. Après, on a toujours des arches sur le contour, mais oh, ça, c'est pas possible. Et on a des petits machins. Qui commencent à peu près... Qui commencent à peu près ici. Des petites arches comme ça font, enfin c'est censé être des arches, mais dans Minecraft c'est pas compliqué, enfin c'est un peu compliqué justement. Donc est-ce que je laisse comme ça? Après ça fait un trou, ça fait pas beau. Non, vaut mieux pas. Je suis désolé les gens, on peut pas faire autant de détails que prévu, mais si on veut les faire, si on veut faire la tour dans les règles de l'art, bah il faut faire comme ça. Et tout en haut, au fait, c'est comment? Il y a aussi des barrières, pareil, avec des trucs, vous savez, les machins où on met une pièce et ça fait un télescope. Il y a des machins comme ça, donc je sais pas du tout comment les représenter. Surtout que j'ai pas beaucoup de photos. Hop. Donc j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Tant qu'elle dépasse pas les 30 minutes, ça me va, de toute façon. Parce qu'après ça devient trop long à upload et pour vous aussi je pense que ça devient trop long. Ouf, ça pique les yeux. Après on a un autre contour. Et aussi ne vous inquiétez pas pour le Fort Boyard, ça va revenir. Ocarina aussi et Mario aussi. Mario, c'est la série, comment dire, que j'ai le plus de mal à tourner. Parce que ça me prend du temps. Même si pour le moment j'avance plutôt pas mal. On peut se le dire. Voilà. On avance plutôt pas mal en ce moment. Tac, voilà, voilà, voilà. Et donc on a des espèces de télescopes, comme je vous ai dit. Donc faudrait des dalles pour les faire. Ah, c'est dommage, on n'est pas en 1.9. Oh les gens, est-ce que j'ai un kikou? Est-ce que je passe en 1.9? Allez, on passe en 1.9, donc bah à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en 1.9. Et donc plein de nouveaux blocs, le purpur, c'est joli, mais c'est pas ce qu'on aura c'est pas ce dont on aura besoin aujourd'hui. Alors, il y a un centre ici, oui, je crois. Alors normalement, il y a pas trop près non plus. Hein. Non. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire plutôt un pilier. En bâtiment purpur.
Est-ce qu'on le fait en pur pur? D'ailleurs, je sais pas où ils ont été chercher ce nom, moi. Ouais, comme ça. Ça le fait comme ça. Ensuite, on met un bouton. Comme ça. Et ensuite, on prend les nouveaux trucs. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, il est beau l'allium dans mon pack de textures. Ah, Endrod, voilà. Et donc, vous voyez aussi, c'est totalement buggé parce que mon pack de textures n'est pas 1.9. Et donc, on fait comme ça. Et si on en rajoute 2, il se passe quoi? Oh, ça fait pas beau comme ça. Quoique, je sais pas. Est-ce qu'on le met que comme ça? Ou comme ça? Parce que ces machins, ils font de la lumière en plus. Ça fait... En plus, ça veut faire trop style parce qu'on est dans un... Comment? Vous savez, on fait comme si on était dans un bureau, puis on met des néons au plafond. Ça peut rendre de bonnes idées, ça. Mais je sais pas si on met 2 ou 1. Oh, allez, et puis 2. Par contre, franchement, je crois que je vais être stressé par ça. Hop. Au pire, on n'a plus besoin des autres blocs maintenant. Et on va mettre une petite carpette blanche ou de la neige. Est-ce qu'on met de la carpette ou de la neige? Qu'est-ce qui rend le mieux? Ah, c'est trop blanc la neige. Voilà, on a un petit télescope. Je sais, c'est tellement beau. Tout le monde aimerait faire le même. Non, en fait, c'est trop loin, mais si on pose un bloc comme ça, voilà, ça se relie et c'est ça le problème. Non, bon, tant pis. On n'a pas le choix, donc hop, hop. Et voilà. On va en mettre... Comme c'est vraiment un lieu bien touristique, on va en mettre partout. Voilà. Et un dernier. En même temps, on peut pas en mettre d'autres. Voilà, donc ça fait joli. Enfin, ça rajoute de la déco, même si on se demande que c'est du bas. Oh, c'est haut. Waouh, ça fait haut quand même. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la nuit. Slash time set night. Puis ça fait un peu éclairé en haut, ça apporte de la lumière, j'aime bien. On remarque le haut, j'ai envie de dire, on le remarque. C'est pas flagrant, mais on le remarque. Donc après, il restera plus que des escaliers à faire à l'intérieur. Donc je pense que je vais m'en occuper en off. Et puis bah, je vous dis à tout de suite pour terminer ce petit let's build. Donc bah, à tout de suite. Et bien voilà, c'est fini. La tour de Pise est terminée, donc c'est juste magnifique. J'adore. Donc j'ai fait tous les escaliers, même si c'est pas intéressant. Bon, par contre, j'ai pas encore totalement aménagé. Voilà, il y a encore de l'herbe. Mais la version que je vous donnerai en téléchargement, voilà, vous voyez, il y a des lanternes partout. Mais la version que vous aurez en téléchargement sera clean. Il n'y aura plus aucun défaut. Donc on monte, voilà, tranquillement. Et c'est comme ça en vrai. Hein. Il y a beaucoup d'étages hein, quand même. Il faut être courageux. Attendez, il y a 293 marches normalement. Ah oui, je sais. Statistiques, blocs. 659, ça fait 655 en enlevant. 655, après ça fait, ouais, un peu plus de
croissant, ouais, c'est clean les marches. C'est assez bien respecté. Donc on a le premier étage où on peut admirer par les barrières la vue sur un monde plat. Ici, il y a toujours nos barrières avec le pack de textures que je ferai. Comme ça. Et tout en haut, eh bien on est ici avec nos télescopes. Comment ça? Une drogue. Et c'est ça rend très bien donc. Attends. Du coup celui-là c'est facile. Non. Ah. Donc ça rend très très bien. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc cette tour, eh bien, est terminée. Donc bah si elle vous plaît, n'hésitez pas à la télécharger, cette map. On va dire qu'elle est semi-libre de droit. Je dis bien semi. Dans le cas où ça reste dans le cadre privé. C'est-à-dire chez vous, vos maps. Vous avez le droit de faire des vidéos dessus, mais pas de vous approprier la map en soi. Donc bah, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.